que l'on vous passe cette chanson-là, parce que vous allez voir, c'est un programme étranger de télévision que vous ne connaissez pas, ça se passe aux Pays-Bas. Et dans l'actualité des télévisions étrangères, Julia Livage a repéré ce programme-là qui est assez singulier. On apprend quoi quand on regarde ça? On apprend les maths. Ce programme s'appelle Eureka, il est diffusé par la chaîne publique des Pays-Bas, vous l'avez dit, qui s'appelle Cro. Cette chaîne va diffuser ce programme au début, juste pour que les maths soient rendus un petit peu plus fun. Plus glamour, et puis ça cartonne, et du coup, depuis, ça continue. C'est une émission, un petit programme. Alors, l'idée, c'est pas de vous expliquer, de vous donner un cours de maths avec tableau, craie, et tout ça. Ça va être d'appliquer les maths à la vie quotidienne et de vous trouver des solutions de tous les petits problèmes bateaux du quotidien grâce aux maths. Alors, c'est glamour. Les jeunes femmes qui sont dans le programme sont extrêmement sympathiques, beaucoup d'humour, elles se mettent en scène. Donc on est vraiment dans un côté très décalé par rapport aux maths. D'un côté, vous avez une mathématicienne qui est vraiment très très fun, et de l'autre, vous avez une animatrice, on sent bien que c'est pas son truc au départ, hein, les maths. Elle joue le jeu, ça marche bien. Alors les problèmes de la vie quotidienne, c'est le quotidien d'une maman, essayer de lui expliquer comment elle peut arranger son organisation. Et comment on introduit les mathématiques dans le quotidien d'une maman. Exactement, les manèges dans les parcs d'attractions, les bouchons le matin sur la route, comment rencontrer le partenaire idéal. Avec les maths, comment gagner les coupes du monde de foot, parce que les Pays-Bas ont vraiment bien les boules, parce que les dernières coupes, ils sont toujours finalistes ou troisièmes. Donc c'est ça que nous avons choisi. Nous, on a choisi de vous montrer l'émission qui a le mieux marché, c'est celle qui concerne le foot, justement. Bon. Keken hier op het Museumplein tienduizenden oranje supporters naar de finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Andrés Iniesta dompelde hen en 12.215.000 andere Nederlandse televisiekijkers in diepe rouw. Zou het niet geweldig zijn als er een formule bestond waarmee we volgend jaar het WK wel kunnen winnen? Een simpele rekensom waarmee we het lot een handje kunnen helpen. Op zoek naar een antwoord krijg ik hulp van een rekenwonder. We berekenen de onhoudbare penalty. We geven de 11 namen die ons de wereldbeker moeten bezorgen en komen zo tot de formule van Eureka. Ah oui, d'accord. Ça serait bien pour le PSG, ça. Oui, ça serait ça bien pour toutes les équipes. Hein, alors ils vous disent que vraiment, ils vont vous expliquer comment gagner un match. Alors, à quel moment il faut marquer, quelle est la couleur du maillot qu'il faut porter, quelle est la constitution de l'équipe parfaite, et après la position. C'est pas trop compliqué de voir ça à partir d'une équation. Vous allez voir, je vous ai choisi un exemple, c'est celui du pénalty inratable. Bon, si après ça, vous manquez votre tir, c'est que vous avez rien compris. Dan zo schuin omhoog, heb je weer rechthoekige driehoek, heb je die 11,6 van net, hoogte van het doel, dat is a kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat, die schuine zijde is 11,8 meter. Nou, een beetje penalty schieter, die schiet met ongeveer 80 km per uur. Dus dat doe je om dat bal van hier naar daar te krijgen, dat is dan 0,54 seconden. En die keeper staat in het midden klaar, die moet er dan naartoe duiken. En die heeft eerst 0,14 seconden reactietijd. Dus dan heeft hij nog 0,4 seconden om zijn hand zo van daar zo in die hoek te krijgen. Dus we weten gewoon hoe het moet. Ja. Twee keer de stelling van Pythagoras. Bam, bam, bam. Links of rechts boven in de hoek. Klaar. Zit. Altijd. Waarom doen we dat niet? Résumé, en haut à gauche. Voilà. En haut à gauche ou en haut à droite. Lucarne, quoi. Voilà. Bon. Merci beaucoup. C'est bon à savoir.